grâce. Je vais faire mon enfant passer mon bébé. La mission par laquelle il m'a dit que c'est de l'enfant. Je rêvais que j'avais marié le nez. J'ai eu ma grande du merci. We have a program this week on Wednesday, Thursday and Friday. We also have a program on Sunday. Moi, il m'a fait une chorégraphie, il m'a dit que j'avais une chorégraphie, béni le nom de Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Venez voir comment le Saint-Esprit brisera les chaînes de vos vies. Vous avez l'impression que vos vies n'avancent pas, mais vous avez besoin du Saint-Esprit. Il y a deux semaines de cela, on m'a dit qu'il n'y avait plus de boule, il n'y avait plus rien de monde. Amis de Jésus, nous vous invitons. Bien-aimés, je vous invite tous à venir voir la gloire du Saint-Esprit à l'église Mission Évangélique d'André. Je vous invite à venir massivement voir la gloire du Saint-Esprit. Venez voir comment tu dis que come and join us and deal with spirits what God is doing here in our church. I promise you, if you come to this church, if you come and worship with us these few days, I promise you will never return the same. À la Mission Mondiale Évangélico-Fondation Joker Rocher de Angré, l'Esprit de Dieu est toujours au rendez-vous. La puissance de Dieu y a élu domicile. L'Évangile de Jésus-Christ, réel, pur et authentique, est prêché. Des vies entières sont transformées et restaurées. Des destinées sont délivrées au nom de Jésus. Shalom à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans l'Impact Prophétique avec le surdoué du prophétisme et de la démonstration de la puissance de Dieu, l'oracle du Saint-Esprit, le prophète Hippothée, qui a été formé par le grand missionnaire et formateur, le fondateur de la Mission Mondiale Évangélico-Fondation Joker Rocher. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette autre émission présentée par la Mission Mondiale Évangélico-Fondation Joker Rocher de Angré. Le thème du message que vous êtes sur le point d'entendre changera dramatiquement votre vie. Et c'est le suivant. Dans ce message, l'homme de Dieu révèle cette valeur spirituelle qui faciliteront votre règne sur terre. Le prophète Saint-Espritique insiste sur le fait qu'il faut laisser le Saint-Esprit développer ses valeurs en nous. Très bonne écoute à toutes et à tous pour cette première partie. Ce matin, le Saint-Esprit me met à cœur de nous donner un enseignement sur les sept valeurs spirituelles saintes. To teach you of the seven values. Les sept dispositions spirituelles. Seven spiritual values. Ou les sept valeurs humaines. Or seven. Alléluia. Alléluia. Chaque enfant de Dieu doit avoir au moins deux valeurs ou trois values. Ou être agréé de Dieu. To be agreed. Sinon, by sans God. Ces valeurs humaines, if not without these values, tu risques de ne pas faire ce que Dieu veut que tu fasses. You will not do what God tu risques de ne pas être dans le plan et la volonté de you Dieu. Might not be in the plan of tu God. Risques de t'éloigner de Dieu à cause du fait que ces valeurs-là te manquent. It might even make you not et tu, the tu risques de ne pas être un bon serviteur sur la terre. And un bon servant de Dieu sur la terre. Les valeurs sont importantes. Values il y a des personnes important. Qui naissent avec ces valeurs-là. There are people that are born mais il y en a d'autres qui ne naissent pas avec. But there are c'est pour cela qu'il est important que nous laissions le Saint-Esprit nous transformer afin de nous aider à avoir ces valeurs-là en nous. That's why we have to let the Holy Spirit transform us. Alléluia. And have these values in us. Tu dois laisser le Saint-Esprit te transformer jusqu'à ce que ces valeurs humaines-là se développent en toi. You have to let the Holy Spirit let you transform et si ces valeurs-là sont développées en toi, and if they are developing you, tu pourras expérimenter la gloire de Dieu dans toutes ses dimensions. You can experiment the tu pourras voir Dieu à l'œuvre dans ta vie. You will see the work of God. Alléluia. In your life. Alléluia. La première valeur humaine, the first human value, c'est l'amour. Is love. Quelqu'un dit l'amour. Somebody say love. L'amour est une valeur humaine. Love is a human value. L'amour est une valeur spirituelle. It's a spiritual value. L'amour même est en Dieu. Love parce que Dieu lui-même est l'incarnation de l'amour. Because God himself et is Dieu love. Veut que nous, enfants de Dieu, nous qui sommes créés à son image et à sa ressemblance, and God nous puissions aussi développer cette valeur-là en nous. And God wants us to develop these values in us. C'est pour cela qu'il a dit dans Matthieu 22. That is why he said in Matthew 22. Matthieu 22, le verset 36. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quelqu'un répète avec moi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. You love the Lord your God. De tout ton cœur, with all your heart, de toute ton âme, with all your soul, et de toute ta pensée. And with all your mind. C'est le premier it is the first, et le plus grand commandement. And the biggest commandment. Et voici le second. And here is the second. Qui lui est semblable. Which is, tu aimeras ton prochain comme toi-même. You love your neighbor as yourself. Quelqu'un peut dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc voici la définition de l'amour. Alléluia. L'amour est basé sur cet élément qui est fondamental. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. L'amour ici, c'est l'amour aimer Dieu de tout ton cœur, with all your heart, de toute ton âme, with all your soul, et de toutes tes forces. And with all your strength. Quelqu'un me comprend ce matin? Somebody understand me. L'amour doit être développé en chaque enfant de Dieu. Love has to be developed by tu dois child aimer of God. Dieu de tout ton cœur. You have to love God with tu all dois your aimer heart. Dieu de toute ton âme. With all your soul. Tu dois aimer Dieu de toutes tes forces. And with all on your strength. On doit sentir que tu aimes Dieu. You have to feel that tu you ne love pas God. Aimer Dieu à moitié. You don't need to c'est love ton God amour pour happy. Dieu. If you're n'est pas God, à ce degré-là, à ce niveau-là, it's not at this tu level, finiras par trahir Dieu. You will parce que tu vas aimer God. Dieu et tu vas aimer maman. Because you love tu vas God aimer and Dieu maman. Et puis tu vas aimer les fétiches. You love God tu and vas love aimer Dieu et puis tu vas aimer l'idolâtrie. And you love tu God vas aimer Dieu et puis tu vas aimer les fétiches de tes parents. And you love God and de love tes parents. Adultery. C'est pendant la Bible quand tu aimes Dieu, tu dois l'aimer de tout ton cœur. That's why the Bible says you have to de love God ton âme. With all et your de soul, toutes tes forces. And with all your ça veut dire que ton amour doit être à 100% pour Dieu. Your amen. To be 100% for il God. Ne doit pas avoir de demi-mesure. It shouldn't be half. Il ne doit pas avoir de 80%. It shouldn't be 80%. Tous les 100% doivent être pour Dieu. It has to be 100% amen. For God. Amen. Say amen. Tu dois aimer Dieu de toutes tes forces. You have to love me quand with all your strength. Quand tu aimes Dieu à toutes tes forces, toute ton énergie est engagée. When you are loving God, you have to love him with all your strength. Quand tu aimes Dieu, tout ton cœur doit être pour Dieu. With all your heart, on ne voit pas, on ne doit pas voir en réalité que tu aimes Dieu. We et puis ton cœur n'appartient pas à Dieu. And your heart that et vous convenez avec moi que le cœur de l'homme est attaché à certaines choses. And you have to understand that ton cœur peut être attaché à quelqu'un. It's with something. Ton cœur peut être attaché à du matériel. With material ton cœur peut être attaché même à une femme. Or to even a woman. Et le fait d'être attaché à cette femme. And to be attached to this woman. Cette femme a 50%, Dieu a 50%. God, she has 60%. Ou cette femme a 70%, Dieu a 40%. Or she has 60 and God. On a vu un moment donné où Salomon lui-même. There was a time in Solomon walking with God. Il a fini par aimer une femme. He finished loving et l'amour a woman. Qu'il a donné à cette femme. And the love that he had for this et woman. Était presque à 60%. It was about 70%. Au point où son amour pour Dieu avait commencé à diminuer. For the instant that his on love for God was Salomon laisser Dieu et aller construire un temple pour Baal, pour les fétiches. We saw Solomon leaving God et and building a temple amen. For Baal. Faites attention. Be careful. Votre amour doit être pour Dieu et cet amour pour Dieu doit être à 100%. Quelqu'un dit à 100%. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Ça you veut dire que ton cœur doit être pour Dieu. Heart. Your heart et tout ce qui est attaché à ton cœur, tu dois l'orienter vers Dieu. And all that is with tu dois le donner heart. À Dieu. You have to give it to God. C'est pour cela que Jésus a dit. That's why Jesus said. Si ta main pour toi une occasion de chute, coupe ta main, jette-la. If your hand is a problem for si you, you have to cut it and let it go. Attraper une broche quelque part, qui veut diminuer l'amour de Dieu, coupe cette main et avance. If you see that your hand is a problem for you, you just cut it and go. Aime Dieu de tout ton cœur. Aime Dieu de tout ton cœur. Venez Jean 14, verset 21. Au verset 24. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. You have to et de toutes God tes forces. With all your strength. All your strength. Même si tu restes un peu de force pour venir à l'église. Even if you are left with small, tu restes là et puis tu adores ton Dieu. You have to come to church and come and worship your God. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit le deuxième degré de l'amour. And c'est l'amour du prochain. Les chrétiens doivent avoir ça en eux. Aujourd'hui, si nous ne manifestons pas l'amour, if we don't manifest love, nous serons vides. We'll, et nous allons nous éloigner de Dieu. We'll nous empty. Ne pourrons pas être de bons serviteurs et de bonnes servantes de Dieu sur and terre. We'll not be good servants c'est of God. Dieu t'appelle à lui. Dieu veut se servir de toi aussi. Il veut te prendre pour que tu sois un instrument, une servante de Dieu pour que l'évangile soit propagé. God wants donc, to use déjà la propose. Base. To send his c'est l'amour gospel, que tu vas manifester. And it's the love that you show. Donc l'amour doit être manifesté et ça doit être fort. Quelqu'un dit ça doit être fort. Ça doit être puissant. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et au-delà de cela, la Bible dit que tu dois aimer ton prochain.
comme toi-même. On n'a pas de plus que toi-même, mais comme toi-même. Donc si tu dis que tu aimes Dieu, la deuxième définition, aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et ne pas aimer ton prochain, haïr ton prochain. Il faut que tu aimes ton prochain. Ton prochain, c'est toi. La Bible dit que comme toi-même, ce que tu souhaites pour toi, la faut le souhaiter aussi pour ton prochain. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, la fais-le aussi pour ton prochain. Car celui qui arrose sera aussi arrosé. Si tu as de bonnes pensées pour ton prochain, ce que tu penses pour ton prochain, Dieu le fera aussi pour toi. Mais si tu commences à haïr ton prochain et que tu commences à lui vouloir le malheur, ce même malheur-là finira par t'atteindre et tu finiras par être un sorcier, une sorcière. Tu n'es pas un sorcier, tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu peux faire pour ce prochain, fais-le. Faut pas haïr ton prochain. Bien au contraire, tu dois plutôt penser comme tu veux que Dieu fasse pour toi. Pense-le aussi pour ton prochain. Je lis la parole de Dieu. Jean 14, verset 21. Allons-y. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc celui qui a mes commandements et qui les garde est celui qui m'aime. Donc en réalité, celui qui aime Dieu, c'est celui qui est attaché à la parole de Dieu. C'est celui qui garde les commandements de Dieu. Donc vous devez comprendre qu'en réalité, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et puis garder ses enseignements. Quand tu aimes Dieu, absolument, tu vas garder ses enseignements. Mais si tu gardes les enseignements de Dieu, alléluia, ça veut dire qu'en réalité que tu aimes déjà Dieu. Mais si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras pas garder ses enseignements. Tu ne pourras pas garder ses recommandations. Donc tout part à partir de l'amour que tu as pour le Seigneur. Quand tu aimes Dieu, tu es attaché à sa parole. Quand tu aimes Dieu, tu es attaché à l'œuvre de Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu es attaché à tout ce qui concerne le spirituel. C'est pour cela que tu dois développer ton amour pour Dieu. Plus tu vas aimer Dieu, plus tu vas t'intéresser aux choses de Dieu. Plus tu vas aimer Dieu, plus tu vas aimer sa présence. Plus tu vas aimer Dieu, quand tu ne pries pas une journée, tu ne te sens pas à l'aise. Parce que tu n'es pas entré dans la présence de ton Dieu, de Yahvé. Donc quand tu aimes Dieu, ça va te rapprocher de ses enseignements, de sa connaissance. Ça va te permettre de garder, de chérir la parole, de chérir la connaissance. Aimer le Seigneur, ça va vous aider. Ça va vous permettre d'évoluer. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus dit, celui qui va m'aimer, celui qui va aimer Jésus, qui va aimer Dieu, sera aimé par le Père. Et Jésus dit quoi? Je me ferai connaître à toi. Je vais me révéler à toi. Je te ferai voir ma gloire. Si tu aimes Dieu, tu n'auras plus besoin de t'inquiéter. Parce que tu sais que Dieu ne va jamais te tromper. Un homme peut te tromper. Une femme peut te tromper. Même tes propres enfants peuvent te tromper. Ton père, ta mère peuvent te tromper. Mais il y a une personne que tu vas aimer qui ne va jamais te laisser t'abandonner, te tromper. C'est Jésus. C'est le Dieu créateur manifestant Jésus manifesté dans le Saint-Esprit. Aime Dieu. Dieu ne va pas te trahir. Aime Dieu. Dieu ne va pas te lâcher. Aime Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 1. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1. Vite. Quand je parlerai des langues, quand je parlerai des langues, des hommes et des anges, et des anges, si je n'ai pas la charité. Bon, la charité ici c'est défini un peu à l'amour. Quand on dit quelqu'un qui manifeste la charité, c'est quelqu'un qui démontre son amour pour son prochain. Alléluia. Charité, amour pour le prochain. Alléluia. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Tu fais du bruit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères. Si tu veux avoir la science de tous les mystères et toute la connaissance, et toutes les connaissances possibles. Quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes. Jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Tu peux tout avoir sur la terre, toutes les richesses possibles, mais tes richesses sont pour toi. C'est de l'égoïsme. Tu peux avoir tout le bien possible, mais si tu n'aimes pas ton prochain, que tu le vois comme ton ennemi, c'est négatif. Alléluia. Amen. Dieu nous envoie à transporter l'amour. Quelqu'un dit avec moi, tu dois transporter l'amour. Tu dois transporter l'amour. Ne vois pas ton frère comme ton ennemi. Vois-le comme ton frère, même si vous n'êtes pas du même sang. Ce n'est pas un frère sanguin. Tu dois savoir qu'en réalité, nous sommes liés par un sang divin. Le sang de Jésus. Nous sommes liés par un même Dieu, le Dieu créateur tout puissant manifesté en Jésus, manifesté dans le Saint-Esprit.
Donc déjà vous devez savoir que l'amour de Dieu se définit aussi par l'amour du prochain. C'est pour cela que Jésus a dit c'est le plus grand de tous les commandements. Si tu aimes ton prochain, ça va t'éviter beaucoup de choses. Si tu aimes ton prochain, Dieu va t'aimer et Dieu va se révéler à toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le deuxième niveau, c'est la justice. La deuxième valeur humaine, la deuxième valeur spirituelle, c'est la justice. Et quand on dit la justice, la justice est très importante. Dieu lui-même est juste. C'est pour cela que je parle des sept dispositions spirituelles saintes ou les sept valeurs humaines. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu nous a fait comme lui. Donc ce qui est en Dieu doit être aussi en nous. Et nous devons manifester cela pour pouvoir démontrer la divinité sur terre. Pour être de véritables serviteurs et servantes de Dieu sur la terre. Tu dois être un homme de justice, une femme de justice. La justice te permet d'être un homme et une femme de devoir. C'est quelqu'un, un justicier, c'est quelqu'un qui respecte les droits et les devoirs. Dieu lui-même, déjà dans son amour immense, dans sa justice, a créé la terre. Il a créé le ciel, il a créé la nature. Dans sa justice, Dieu a créé l'homme et il a mis l'homme dans le jardin. Dieu a mis l'homme à l'aise. Dieu a donné à l'homme ce qu'il faut pour que l'homme soit heureux. Alléluia. Dieu a fait ce qu'il faut pour l'homme. Aujourd'hui, l'homme naît, il grandit, il évolue. Dieu nous a donné la terre et cette terre a produit pour que nous puissions avoir à manger. N'est-ce pas? Amen. Dieu, dans son devoir pour l'homme, il lui a tout donné. Il a mis à la disposition de l'homme ce qu'il faut pour que l'homme grandisse dans un environnement sain, propice, pour l'aider à évoluer jusqu'à ce qu'il soit rappelé. Amen. Donc, dans sa justice, Dieu nous a tout donné. Dans sa justice, Dieu nous a tout donné. Donc, il est important pour chaque enfant de Dieu de comprendre qu'en réalité, cette même justice que Dieu manifeste, nous devions nous aussi la manifester. Amen. Tu dois être juste. Tu dois faire la part des choses. Celui qui manifeste la justice sait faire la part des choses. C'est quelqu'un qui respecte le droit de l'autre. Quelqu'un qui est capable de tuer son prochain n'a pas respecté le droit de l'autre. L'autre a le droit de vie. Si tu prends une machette pour le tuer, c'est de l'injustice. Dans nos sociétés aujourd'hui, dans nos entreprises, l'injustice est appliquée. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas les valeurs. Il y a des gens qui n'ont pas le potentiel, les qualités indiquées. Mais on leur donne les postes. C'est pendant ceux qui connaissent le travail là, on les met en bas. C'est une affaire de relation, mais c'est une injustice humaine. Un monde qui fonctionne sur l'injustice est un monde qui ne pourra pas avancer. Aujourd'hui, on doit pouvoir utiliser chacun en fonction de ses valeurs. Et si c'est utilisé ainsi, ce pays, ce monde pourra avancer. Amen. Alléluia. Amen. Quand la justice est appliquée, il est dit dans la parole de Dieu, le trône du roi est affermi par la justice. Mais lorsque la justice n'est plus appliquée, son trône sera ébranlé. Aujourd'hui, un roi ou un président qui n'applique pas de justice, qui commence à désobéir à la justice, à ne plus appliquer la justice, je vous assure, on n'a pas besoin de prophétiser. Avec les yeux, on sait que ce roi ou ce président va tomber. Il faut que la justice soit appliquée dans le monde entier. Et dans toi-même, ta propre vie d'abord. Tu dois être juste envers tes enfants. Même si tu aimes un, il y a un qu'on aime plus que l'autre. Mais dans les partages, la justice doit être appliquée. Alléluia. Aujourd'hui, on voit des groupes musicaux qui n'arrivent pas à rester ensemble. Parce qu'au niveau du partage, il n'y a pas de justice, c'est de l'injustice. Et pour finir, c'est séparé. Il y a des artistes qui ont commencé bien. Vous avez vu, ils ont eu des noms, ils ont fait le tour du monde. Mais quand ils ont eu beaucoup d'argent, au moment du partage, ils se sont... L'injustice. L'injustice t'empêche de respecter les lois. L'injustice t'empêche de respecter le droit de l'autre. L'injustice t'empêche d'appliquer ton devoir, d'accomplir ton devoir vis-à-vis de ton prochain, même de Dieu. Ne soyez pas injuste. Quand Dieu vous a béni, soyez juste avec Dieu. Quand Dieu t'a ouvert une porte, sois juste avec Dieu. Si tu veux que Dieu soit juste avec toi, parce que lui, là, il n'a pas de devoir vis-à-vis de nous actuellement. Il a tout mis à notre disposition. Ce qu'il nous demande, c'est d'appliquer sa parole. Une fois que c'est appliqué, la justice de Dieu s'applique. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu même sont bénis. Mais ils deviennent injustes vis-à-vis de Dieu. Dieu commence à les élever, à les bénir. Tu vas voir que l'enfant de Dieu commence à dire, Seigneur, il faut me comprendre.
on commence à être injuste vis-à-vis de Dieu. D'abord, on ne prie plus beaucoup. Deux, on ne va plus trop à l'église. Trois, on commence à s'intéresser à ses affaires. Quatre, on met les affaires avant Dieu. Cinq, ce qui est de la part de Dieu, on ne donne plus. Vous êtes injuste. Nous sommes injustes vis-à-vis de Dieu. Dieu nous a tellement montré sa justice. Il a démontré son amour. Il a démontré sa justice. Il est venu sur terre accomplissant le sacrifice. Et dans sa justice, il dit, acceptez-moi et vous serez sauvés. J'ai payé le prix pour vous racheter. Et au-delà même du rachat, celui qui va m'accepter par le sacrifice que Jésus a fait, le sang qui coule là, les maîtrises seront guéris. Par ces maîtrises, nous recevons la guérison. Donc nous voyons déjà que Dieu, dans son amour, il a manifesté sa justice. Mais toi, enfant de Dieu, tu es juste. Alléluia. Amen. On peut vivre en communauté. Et puis, les autres sont légers. Ce n'est pas ceux qui gagnent. C'est de l'injustice. Alléluia. Amen. La part des choses en fonction des niveaux. Si tu travailles avec des personnes, en fonction de chaque personne, tu dois leur donner leur droit pour qu'ils puissent accomplir leur devoir. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Si tu appliques la justice, tu seras camarade de Dieu. Amen. Quelqu'un dit tu seras camarade de Dieu. Tu seras camarade de Dieu. Ce que je suis en train d'expliquer, je vais vous expliquer demain, vous allez comprendre que ces valeurs-là, lorsque nous les appliquons, lorsque nous les développons, lorsque nous les manifestons, ce sont des armes, même face au diable et au démon. Alléluia. Prenez Actes chapitre 10, verset 35. Prenez Ephésiens 6, 14. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je dois être juste. Amen. Envers mon prochain. Amen. Parce que tu aimes ton prochain. Mais l'amour que tu manifestes doit t'amener aussi à être juste. Alléluia. Amen. Et quand c'est comme ça, tout est équitable. Alléluia. Amen. On a besoin que le monde soit équitable. Amen. Et pour que le monde soit équitable, il faut la justice. La véritable justice. Quand ce n'est pas appliqué, il y a un désordre. Et le monde est déstabilisé. Appliquons la justice. Commençons nous-mêmes par développer ces valeurs-là. Et nous verrons que le Seigneur va nous approcher. Et nous serons de bons serviteurs, de bonnes servantes de Dieu. Amen. Acte 10, le verset 35. Mm-hmm. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. La Bible dit que celui qui craint Dieu est. Donc tu dois craindre Dieu et aussi développer cette valeur humaine, cette valeur qui est spirituelle, parce que Dieu même est juste. La Bible dit que celui qui est juste est agréé de Dieu. Il est agréable aux yeux de Dieu. Donc si tu veux que Dieu puisse t'aimer, Dieu puisse t'agréer, Dieu puisse te, je vais dire même te désirer, il faut être un homme juste, une femme juste. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allons sur le deuxième verset. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins. Ayez à vos reins. La vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. On va voir le troisième. Revêtez. Revêtez. La cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Écoutez, c'est l'arme. Quand tu prends Ephésiens 6, c'est l'arme armée, c'est l'arme du chrétien. Avant d'aller au combat, Dieu dit de ne pas s'attaquer à la chair et le sang, mais Dieu demande plutôt de s'armer, de porter les armes spirituelles. Et ces armes spirituelles, il dit l'armement, ta ceinture doit être la vérité, et ta cuirasse doit être la justice. Ce n'est pas de te revêtir des armes physiques, mais on te parle des armes spirituelles. Et ces armes spirituelles ici, c'est d'avoir pour cuirasse la justice, et pour ceinture de combat, la vérité. Amen. Si tu as ces éléments-là, quand on continue, si tu as tous ces éléments, tu pourras être un homme invincible, une femme invincible. Amen. Tu pourras être agréé de Dieu et le diable et les démons fuiront loin de toi. Parce qu'ils ne trouveront pas en toi ce qu'ils n'ont pas en eux. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Le diable ne trouvera pas en toi ce qui est en lui. Mais il trouvera en toi ce qui est en Dieu. Amen. Et si tu as ce qui est en toi, c'est ce qui est en Dieu, le diable s'éloignera de toi. Parce que vous ne vous ressemblez pas. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit d'avoir pour cuirasse la justice. La justice. Sois un homme de justice. Une femme de justice. Ne sois pas roublard.
Ne pense pas qu'à toi seul. Dans ta justice, tu dois être équitable. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous qui avez les entreprises, c'est vrai, on parle de relation. Mais pour que la chose résiste, il faut mettre les gens en fonction de leur valeur. Il faut les utiliser en fonction de leur qualité. Il faut les utiliser en fonction de leur valeur. Quelqu'un est bien, il travaille bien pour toi, il se donne à fond pour toi. Et puis toi, comme tu as ton cousin ou ta cousine qui est là, qui ne sait même pas, qui ne connaît même pas le travail, tu la mets ou tu le mets devant. Mais pour finir, ton entreprise va tomber parce qu'il ne connaît pas, il ne connaît pas le travail. Si tu es justicier, tu sauras placer ceux qui ont la valeur et l'entreprise va subsister, l'entreprise va tenir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Composez les numéros suivants. Plus 225 07 22 92 82. 89 86 97 66. 57 40 88 69. Obtenez rendez-vous avec l'homme de Dieu, le prophète Hypothée, de la mission mondiale évangélico-fondation Joker Rocher de Angré, Abidjan, Côte d'Ivoire, précisément en Afrique de l'Ouest. Et Jésus-Christ réécrira votre histoire comme jamais vous ne l'avez imaginé.